Donc bonjour, je suis Cathy, je suis en formation RED-ACI. Moi je suis Lisa, aussi RED-ACI. Et bonjour, je suis Caroline, je suis aussi en formation RED-ACI. Et moi c'est Candice et je suis aussi en RED-ACI. RED-ACI, ça signifie exactement responsable du développement des affaires en commerce international. Et pour apprendre à développer les affaires en fait sur l'étranger. Alors moi, j'ai choisi cette formation parce que j'ai fait un parcours il y a quelques années d'assistante import-export et je voulais m'orienter sur l'international en tant que commerciale et j'ai profité donc de cette opportunité pour me former. On passe les cours de management stratégique, marketing stratégique, négo, web. Bien. Voilà, anglais, business, achat. On a des intervenants extérieurs qui viennent, on a plusieurs modules. En moyenne, c'est une semaine en entreprise et une semaine à l'IFACOM. Pour ma part, prospection client surtout, du coup, lors d'un développement de nouveaux marchés. Moi, pareil, je développe sur les pays européens. Moi, je développe dans le marché de la Russie et le marché de l'Ukraine. Pareil, prospection de nouveaux partenaires, plutôt Portugal et Espagne. Vraiment, ce côté petit groupe, je pense qu'on s'entraide beaucoup. On a beaucoup de cours aussi qualitatifs. Les formateurs sont très, très bien. Ils nous suivent aussi au quotidien et aussi les intervenants extérieurs sont aussi très très intéressants. Moi ce que ça m'apporte déjà une confiance dans le lancement de ce futur métier parce que bon j'ai 54 ans et j'ai pas envie de reprendre des études pour rester au chômage. Ça m'apporte que j'ai pu trouver un stage pour mettre en action toutes ces connaissances que j'apprends et pour permettre à l'entreprise qui me reçoit de développer l'international. Et aussi, on peut faire que, par exemple, moi, comme Ukrainienne et étrangère en France, moi, je peux me trouver en commerce international parce que je connais les langues étrangères, on peut dire ukrainien et russe. Et IFACOM, c'est vraiment pour moi la possibilité de me réaliser dans ce métier pour apprendre les nouvelles choses. Voilà. Donc moi c'est commercial, mais je viens de suivre un module achat qui m'a aussi un petit peu mis des idées en tête, pourquoi pas acheteur. J'aimerais bien continuer plutôt vers mes premiers amours, le voyage. Donc voilà, s'il y a des opportunités dans, on va dire, côté commercial, voyage. Voilà. Moi par exemple, c'est aussi faire la liaison entre deux pays comme l'Ukraine et France et faire le développement, les affaires entre ces deux pays. Je dirais merci l'IFACOM de nous avoir reçus, d'avoir tout mis en place pour les gestes barrières, l'équipe dynamique, professionnelle. Très familiale. Très familiale, respectueux. Vraiment merci, merci, merci. Merci. Il y a plein de mots pour décrire l'IFACOM. Merci, très bon soutien. Oui.